Voilà, je vous présente donc le Galaxy S3 de Samsung. Donc on voit ici le large écran 4,8 pouces en 1280x800, donc en AMOLED, en Super AMOLED. Ici on voit qu'il est relativement fin et qu'il a un dos qui fait un peu métallisé. Mais en fait c'est bien du plastique, et du plastique qui fait un peu cheap en fait, parce qu'il a, il est très brillant, il garde vraiment les traces de doigts comme on le voit ici. Il y a juste 2-3 personnes qui l'ont touché, il y a vraiment des traces de doigts assez horribles, encore plus que sur l'écran. Hein. Là on voit l'écran est à peu près un peu mieux, mais alors l'arrière c'est vraiment très, très, très sale, donc très salissant. Donc là, comparaison de la taille, ça va être difficile de comparer un peu l'épaisseur du smartphone. Voilà, au niveau de la taille et du rendu des écrans. Je rappelle que ces trois écrans ont la même résolution, 1280x800. C'est 4 d'ailleurs, les 4 là. Au niveau du rendu des écrans, a priori, le Galaxy S3 est assez lumineux, comme on peut le voir. Il est vraiment pas mal. Et ensuite, au niveau du design arrière, pour comparer un peu tous, voilà. Alors là, on a vraiment un toucher un peu mou. Sur celui-là, c'est plus du plastique. Ici, c'est du plastique imitation métal sur le Galaxy S3. Alors qu'ici, le One X, c'est beaucoup plus terne. C'est un peu du caoutchouc, en fait, un plastique un peu doux aussi. Voilà. Donc sinon, on a une taille, comme on le voit, qui est vraiment proche.